Les tyrannosaures. Les dinosaures ont vécu sur notre planète il y a très longtemps. Il n'y avait pas encore d'humains sur la Terre. Moi, je suis le tyrannosaure. Je suis un très grand dinosaure. À ma naissance, je sors d'un œuf. Jeune, je suis léger et agile. Je grandis seulement en été. Adulte, j'ai une énorme tête. Mes bras sont musclés et courts. Je marche sur mes pattes arrière. Je peux courir aussi vite qu'un cheval. Certains dinosaures ne mangent que des plantes. Moi, je suis un dinosaure carnivore. Je chasse et j'attrape des proies. Lorsque je vois un animal, je me cache. J'attends le bon moment et je bondis. Je tue ma proie avec mes griffes et mes dents. J'ai une grande mâchoire. J'ai des dents longues et pointues. Je mange de gros animaux d'une seule bouchée. Je suis le plus fort des dinosaures. Tous les animaux ont très peur de moi. Je suis le tyrannosaure. Je suis le roi des dinosaures. La petite fille qui ne rêvait jamais. Partie 1 Il était une fois une petite fille sans nom ni prénom. Cette enfant, bien particulière, ne rêvait jamais. Elle ne s'ennuyait jamais non plus, et pourtant elle vivait seule, sans famille, sans chat ni chien. Elle habitait une bibliothèque abandonnée, où les étagères débordaient, regorgeaient, frassonnaient de livres. Elle prenait soin de tous les bouquins, elle les dépoussetait, les restaurait, les cajolait, les floutait, les couvrait de bisous, et tout au long de la journée elle leur parlait comme s'ils étaient ses amis. En retour, les livres lui racontaient des milliers de récits, des tonnes d'histoires à inventer et des tas d'événements vrais. Parfois, il faisait rire l'enfant aux éclats. D'autres fois, il la faisait pleurer tout bas. Par moments, ça leur arrivait de lui donner une peur bleue, mais bien souvent, il faisait briller ses yeux. La fillette avait appris très tôt à lire, à écrire et à compter. Elle pouvait tout lire. Elle pouvait lire vite, elle pouvait lire très vite. Elle pouvait lire lentement si elle les désirait. C'était une petite fille tellement douée qu'elle pouvait même lire entre les lignes. Chaque jour, elle consacrait des heures à la lecture. Les phrases compliquées ne lui présentaient pas de difficultés. Des paragraphes à n'en plus finir, quel plaisir. Les pages sans dessin, elle les trouvait. Très bien, des briques et des pavés, nulle anxiété. Les livres lui avaient enseigné tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle savait faire. C'est que quand on habite seul, il faut se débrouiller comme une grande et la partie fille y arrivait naturellement. Nettoyage, jardinage, lessive, couture, des yeux d'enfant et la cuisine. Très importante, la cuisine. Elle s'y connaissait aussi évidemment, cet enfant. Vous l'aurez deviné, elle était une petite savante. Un jour d'automne venteux, alors que les feuilles mortes s'amusaient à faire la ronde dehors, la fillette, au chaud dans sa bibliothèque, se désola. Elle venait de découvrir que ses livres ne pouvaient plus rien lui apprendre. Leurs feuilles à eux étaient ondulées épuisées éreintées exténuées trop de fois ses petits doigts impatients les avaient tournées trop de fois ses yeux avides les avaient dévorés qu'allait-elle bien pouvoir faire maintenant s'en irait-elle à mourir la petite fille qui ne rêvait jamais n'avait aucune idée la nuit venue elle consulta un vieil ouvrage qui tombait en lambeaux. C'était une encyclopédie des choses étranges qu'elle parcourait par la cent trentième fois. La fillette subira lorsque, soudain, curieusement, bizarrement, étrangement, elle eut la fulgurante idée d'écrire une histoire bien à elle. Ping entendit-elle et son sang se glaça. D'un coup, elle venait d'apercevoir à la lueur de la chandelle une souris aux lunettes rondes. Une souris aux lunettes rondes? se demanda à la petite fille qui ne rêvait jamais. Elle se frotta les yeux et battit des paupières au moins trois fois. Oh non. Les souris sont bien des dévoreuses des livres et bien connues. Elle eut un frisson d'horreur et chassa le rongeur hors de sa demeure, puis elle ferma sa porte à double tour et rangea la clé dans sa poche. Cette nuit-là, dans le grenier pour se bercer, comme chaque fois qu'elle se mettait au lit, elle récita à haute voix les définitions de soixante mots du dictionnaire, les dates de naissance de quinze poètes disparus et les noms des capitales de cinquante pays. Comme elle n'avait pas sommeil après ça, elle poursuivit avec la liste des vingt fleurs les plus longs du monde mais elle avait toujours les yeux grands ouverts. Alors elle nomma une douzaine de montagnes. Parmi les plus élevées de la planète, elle paya. Oh, mais ne dormait pas encore. Donc elle compta à rebours à partir de 7136, enfin, elle finit par sombrer dans un sommeil sans rêve. À suivre, l'histoire continue. Partie 2. La petite fille qui ne rêvait jamais. Le lendemain, très tôt le matin, la petite érudite décida de commencer sa propre histoire. Une belle, une merveilleuse, une délicieuse histoire, se dit-elle. Elle prit un bout de crayon, pas plus grand que son pouce, et un vieux carnet décrépit aux pages vides, puis s'installa pour écrire. Il lui fallait un début, un milieu et une fin. Que vais je raconter? réfléchit elle. Elle attendit, attendit et attendit encore un peu mais rien, absolument rien ne lui vint à l'esprit. Vers midi, elle se ravisa et entrepris d'écrire à la recette de mets succulents qu'elle allait inventer de toutes pièces. Il lui fallait dresser la liste des ingrédients et expliquer les étapes de sa recette. Une recette de quoi? se demanda-t-elle en rangeant le bout de son crayon. En après-midi, elle avait abandonné histoire et recette pour s'essayer au dessin. Il lui fallait d'abord faire une esquisse au crayon. Puis ajouter de la couleur que pourrais je dessiner sans châtel? Hélas. La petite fille, qui ne rêvait jamais, n'avait pas une goutte d'imagination. Au coucher du soleil, elle n'avait rien couché sur papier. Son carnet était muet, son estomac hurlait, elle ouvrit un recueil de recettes et concocta des pâtes à la sauce tomate en suivant à la lettre toutes les étapes décrites dans le livre. Lorsque l'odeur du délicieux repas envahit la petite pièce qui lui servait de cuisine, elle eut soudain, curieusement, bizarrement, étrangement, la merveilleuse idée de râper du bon fromage sur son assiette, même si ce n'était pas indiqué dans la recette. Ping! La souris aux lunettes ronde se montra de nouveau et la fit sursauter. Oh non, le fromage attire les souris, c'est bien connu! Sans tarder, la petite cuisinière courut chercher son balai, mais lorsqu'elle revint, la souris s'était enfuie. L'enfant avala son repas à toute vitesse et nettoya les étagères de la bibliothèque de fond en comble. Elle s'assura qu'aucun de ses livres n'avait été grignoté, mortillé, rangé ou pire, déchiqueté. Cette nuit-là, à bout de force, elle ne récita pas de définition du mot, ni de date de naissance, ni de nom de ville. Rien de tout cela, car un lourd sommeil noir, sans image, sans imagination et sans rêve, l'engloutit au plus vite. Quand elle se réveilla le jour suivant, elle ne se sentait pas très bien. À vrai dire, comme tous les enfants, il lui arrivait de tomber malade. Ou de tomber tout court. Que faisait-elle alors? Eh bien, la petite savante se soignait toute seule. Petite, tout sèche, mal de gorge, yeux qui piquent, pas de panique. Saignement du nez genoux écorché, dents cassées, aucune difficulté. Ce matin-là, elle se fit un peu de thé et un bon bouillon de poulet. Puis, lentement, elle monta se reposer au grenier. Ses paupières étaient presque closes, quand soudain ping. Elle vit de nouveau la souris aux lunettes rondes. L'animal trembloute, de peur que la fillette aille chercher son balai. Curieusement, bizarrement, et étrangement, l'enfant ne chassa pas le rongeur, mais lui dit. Te revoilà. Que fais tu ici? J'habite avec toi. Là, fit la souris, en pointant une frêle vers le front de l'enfant. « Tu habites dans ma tête, alors tu n'es pas réel ?» demanda la gamine les yeux ronds. La souris trouva ces questions drôles, tellement drôles qu'elle oublia sa peur et rit. <laughs> Son ventre très sautant de bonheur, finalement, elle déclara « Bien sûr que je suis réel. Je suis ton imagination, voyons. »« Mon imagination C'est ça si tu continues à me chasser, tu ne pourras rien inventer. Mais si tu me retiens, on fera de belles créations dès demain. Histoire, recette et dessin. Co comment t'appelles-tu? Balbutia la petite fille son nom. La souris effectua un petit mouvement comme si elle haussait les épaules. Dis-le-moi toi, nomme-moi. Alors la fillette chercha dans sa tête, elle fouilla les étagères de sa mémoire, là où elle avait rangé toutes ses lectures favorites du passé. Elle se souvint d'un prénom qui lui plaisait beaucoup, puis elle inventa un nom qui allait avec l'apparence de son imagination. Tu t'appelles Antonina. Antonina Lunetta. Ainsi, pour la première fois, bercée par son imagination, L'enfant ferma les yeux et s'envola vers une belle, une merveilleuse, une délicieuse histoire. Vous qui lisez ces livres, si un jour vous apercevez une souris aux lunettes rondes, ne la chassez pas car elle cache une clé magique qui ouvre les portes de l'imagination. Cléo clic clique en Italie Cléo chante dans sa chambre un air d'opéra italien. L'Italie, un pays de rêve. N'est-ce pas, Colin dit-elle. Tu m'as parlé demande Colin en enlevant les bouchons de ses oreilles. Cléo rit. Elle avait oublié que sa tortue n'appréciait pas l'opéra. J'adore la cuisine italienne, affirme-t-elle. Mon plat préféré est les spaghettis sauce tomate. Récis Colin, allons en Italie pour découvrir le secret de cette fameuse sauce. Cléo prend son appareil photo et flash. Les deux amis se retrouvent à Rome, capitale de l'Italie. La place du marché est bordée de maisons orangées. Clic clic. Cléo s'approche d'un kiosque de tomates. La marchande ronde et rose, comme ses fruits, Sais-tu que ce sont des Espagnols ou les Espagnols pardon qui ont importé les tomates en Italie d'Amérique centrale il y a quatre cents ans de cela comme elles étaient jaunes on les a appelées pommes d'or pomodoro. Pauline, la fille de la marchande offre un bout de laitue à Colin, la jeune romaine leur propose de découvrir sa ville en vélo. Les trois amis font une pause devant la fontaine des Trévis. Cléo admire l'immense statue de Neptune, dieu de l'océan. Allons manger des galettes, suggère Pauline. En entraînant ses amis, ils ne sont pas seuls à avoir eu cette idée. Clic, clique. Italiens, petits et grands, font la queue pour acheter des glaces. Leur tour revenu, chacun choisit un parfum différent chocolat, fraise et vanille. Au sommet d'une colline, Cléo aperçoit les ruines du Colisée. Clic-clic Dans cette arène du passé de l'empereur Jules César, les Romains assistaient à des combats entre gladiateurs et lions. César organisait aussi de grandes fêtes raconte la fillette. On y mangeait des talons de chameau et des langues d'oiseaux. Pauline, connais-tu le secret de la sauce tomate ?» demande Cleo. Non, mais mon oncle Mario pourra sûrement te renseigner. » répond-elle. Les voyageurs partent voir Mario. Cap sur la Toscane. « Flash, les voici qui surgissent à Alba. » Loin de la Toscane, l'appareil tout leur a joué un mauvais tour. Clic clic. Vous êtes dans la région des truffes, leur dit un garçonnet. Ces champignons très parfumés poussent sous la terre. Mon chien arrive à les trouver grâce à son odorat. Le premier qui trouve une truffe gagne, lance Eduardo. Cola déterre une grosse truffe en moins de deux. Bon, allons maintenant trouver l'oncle Mario dit Cléo Flash. Les amis surgissent devant une grande maison en pierre. Clic-clic. Cola reçoit un ballon sur la tête. Il voit des étoiles. Anzo s'excuse et invite Cléo à jouer au soccer avec eux. La fillette marque un but. Anzo et son frère sont stupéfaits. Leur père Marieux les appelle. À table le repas est servi. La famille des garçons les accueille à bras ouverts. Ils sont nombreux, du petit fils à l'arrière grand père. Les places succèdent, plus délicieux les uns que les autres. Quels sont les ingrédients d'une bonne sauce tomate? demande Cléo. Au lieu de répondre, Mario l'invite à faire une balade dehors. Les délices feuillent, des olives brillent au soleil. Clic clic. Pour faire une délicieuse sauce, ça prend une excellente huile d'olive. Ma mère Patricia pourra t'en apprendre davantage. Va la voir à Venise. Elle est poissonnière, adore ce duo. Elle vend des mollusques, précise Mario. Cléo est impatiente de la rencontrer et flash. Cléo apparaît sur un quai devant une longue et mince embarcation. Monte dans ma gondole, je te ferai visiter Venise si j'ai le guide. Cléo et Colin s'installent dans de chics fauteuils rouges. Je m'appelle Angelo. Ma ville est unique au monde. Impossible d'y circuler en voiture. Ici, tout se passe sur l'eau. Les bateaux servent d'ambulance, de bus et de voitures de police, dit-il. De beaux palais longe le grand canal. Clic clic. Le gondolier chante un air d'opéra. Colin se bouche les oreilles. le navigue habituellement en gardant l'équipe debout. La gondole va passer sous un pont. Attention, l'alerte Cléo. Le garçon se penche juste à temps. Il a l'habitude. À chaque tourne, des maisons centenaires clic clic. Angelo leur apprend que le lion est l'emblème de Venise. On aperçoit la tête du fil sur l'horloge d'une tour. Les voici arrivés au marché du poisson du quartier d'Orso du Cléo aperçoit Patricia derrière un étal de pieuvre gluante. clic clique la curieuse l'interroge sur le liquide épais qui les enrobe. Elle apprend qu'on utilise l'encre noire pour cuisiner les spaghettis. Colin préfère la sauce tomate à la sauce au poisson. Cléo en profite pour revenir sur l'objectif de son voyage, sache que seul... Une grand-mère de Naples, Anne Noma, pourra te révéler les secrets de la sauce tomate, lui confie Patricia. Cap au sud de l'Italie, à Naples, fâche. Les amis se retrouvent en face d'un énorme chien. Clic, clic, une vieille dame leur présente son compagnon, Sarko, un matin napolitain. Dire que ses ancêtres se battent. Autrefois, contre les gladiateurs, s'il a fête dans le quartier, allons manger une pizza, dit la nonna. Cléo insiste auprès d'elle pour savoir le secret de sa sauce tomate. Elle accepte volontiers de dans son carnet de voyage. L'heure du départ a sonné. la pâte de sa cou. Flash! Les mots amis. Ma famille. Maman, Daphné, papa. Daphné a très faim. Elle mangerait un éléphant au complet. Je veux mes céréales. Tout de suite. Maintenant, papa dit, tu oublies un petit mot important. Vanille chuchote à l'oreille de Daphné. On dit, s'il te plaît. Papa a mis une surprise dans les céréales de sa fille chérie. Miam, c'est Daphné. Son déjeuner est délicieux. Papa dit, tu as encore oublié un mot précieux. Nougat aide Daphné. On dit merci. Aujourd'hui, Daphné a envie d'avoir du belles tresses. Maman, maman, mets-moi mes nouveaux rubans. Sa mère lui répondit. « Et si tu me demandais gentiment ?» Les doudous secouent la tête. Notre Daphné oublie la politesse. Avec ses amis, Daphné adore s'amuser dans le module de jeu. Elle veut être la première à grimper dans la glissoire bleue. Daphné s'énerve. « Attache mon manteau !»« Je suis pressée »« Demande-le-moi poliment !» dit Madame Josée. Après la collation, Daphné veut jouer avec la boîte à musique. Eddie lui répond Je te la donne si tu dis le mot magique. Pas besoin de magie, c'est à mon tour. Déclare Daphné Tu n'es plus mon ami. S'écrit le garçon fâché. Le soir, Daphné convie son chagrin à Vanille et à Nougat. « Je voulais seulement jouer avec la boîte à musique. C'était à mon tour, mais Eddie s'est fâché contre moi. Juste parce que j'ai oublié le mot magique. Vanny dit Les mots magiques sont, s'il te plaît, et merci. Des mots très simples, des mots amis. Nougat ajoute Ces mots doux sont comme des caresses. Avec les mots amis, tu es la reine de la gentillesse. Avant d'aller au lit, Daphné veut son livre préféré. Cette fois, elle prend bien soin de dire les mots amis. « S'il te plaît, maman, veux-tu me lire mon conte de fées ?» Daphné n'a pas oublié. Les doudous sont ravis. Le lendemain, Daphné offre un dessin à Eddie. S'il te plaît, veux-tu redevenir mon amie ?» Le garçon répond. « J'aime quand tes mots sont gentils. » Daphné rit. « Ha! 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 » La dispute est finie. On joue, Eddie. De retour à la maison, Daphné raconte ses joies de la journée. Quand je dis, s'il te plaît et merci, tout le monde me sourit. Avec deux mots simples, c'est facile d'être poli. Maintenant, les mots amis, je ne vais plus les oublier. Dans les salons, c'est le désordre total. Tout traîne partout. Papa dit, ramasse tes jouets avant qu'on se casse le cou. Daphne réplique Hé, hey, tu as oublié les mots amis Papa éclate de rire. Peux-tu ranger, s'il te plaît, ma jolie Arnaud veut sa maman. Un soir, la maman d'Arnaud sort de l'arbre. Je vais chercher de la nourriture. Reste ici, Arnaud, dit-elle. Arnaud reste dans l'arbre. Il entend un gros bruit. Vroom, vroom Arnaud a peur. Il veut sa maman. Arnaud a faim. Il sort de l'arbre. Il entend un gros bruit. Ouf, ouf Arnaud retourne vite dans l'arbre. Arnaud a peur et il a faim. Mais il reste dans l'arbre. Arnaud s'endort. Le lendemain, Arnaud a très faim. Il sort chercher de la nourriture. Arnaud voit de la nourriture sur une table. Un garçon voit Arnaud. Arnaud se sauve. Arnaud voit de la nourriture dans un panier. Un chien voit Arnaud. Arnaud se sauve. Arnaud voit de la nourriture dans une poubelle. Un gros camion arrive. Vroum, vroum. Arnaud se cache dans la poubelle. Oh non. Arnaud tombe dans le camion. Le gros camion roule et roule. Arnaud a peur. Il veut sa maman. Le gros camion s'arrête. Oh non! Arnaud tombe du camion. Arnaud voit sa maman. Je suis tombé dans un camion, dit Arnaud. Je suis tombé dans un camion aussi, dit maman. Des rayures et des petits pois La famille d'Abi aime les rayures. Maman et papa aiment les grosses rayures, sa sœur aime les petites rayures, son frère aime les rayures en zigzag. Ses amis aiment aussi les rayures. Voici des cadeaux, disent ses amis. Tous les cadeaux ont des rayures, dit Abby. Abby regarde autour d'elle les fleurs ont des rayures, ses amis ont aussi des rayures. Il y a trop de rayures partout, dit-elle. Abby voit une dame qui roule à vélo. Abby vole vite derrière la dame. Elle aime les petits pois sur son chapeau. Abby voit un homme qui roule à vélo, puis elle voit une coccinelle sur son dos. Abby aime les petits pois sur la coccinelle. Abby vole jusqu'à la coccinelle. J'aime tes petits pois, dit Abby, j'aime te rayures, dit la coccinelle. Les amis ont une bonne idée. J'ai des petits pois maintenant, dit Abby, j'ai des rires maintenant, dit la coccinelle. Bonne idée, bonne idée. Toute la famille d'Abby aime encore les rire, mais elle aime aussi les petits pois, les triangles et les ovales. Cléo clic-clic au Maroc. Cléo s'amuse dans sa chambre. Il fait très chaud. La climatisation est en panne. Elle boit un grand verre d'eau. Cléo pense aux enfants qui vivent dans les déserts d'Afrique. La fillette se trouve tout à coup bien chanceuse. Elle désire savoir comment on peut vivre sans eau courante. Colin, allons vite dans les déserts du Sahara. Elle saisit son appareil photo magique. Appuie sur le bouton flash. Cléo surgit dans le sud du Maroc entre deux dromadaires. Elle s'adresse à un homme à qui semble appartenir les bêtes. « Bonjour, nous sommes bien au Sahara, clic-clic. » Mohamed fait signe que oui et lui donne un foulard bleu. Elle doit protéger son visage des rayons du soleil et du sable. Cléo est prête pour une excursion dans le plus grand désert au monde. Rachid, le fils de Mohamed, fait monter Cléo sur un de L'animal avance en la secouant. Cléo se sent mal. Elle préfère marcher un magnifique paysage de dunes dorées. Soudain, on entend un prout. Le chameau vient de péter. Ces animaux ont mauvaise haleine, crachent et sont têtus. Mais, impossible de traverser le désert sans leur aide. Ils arrivent à transporter des centaines de kilos sur leur dos. La caravane s'arrête boire quelques gorgées. Et manger. Il pique-nique sur le sable à l'ombre d'un arbre. Le repas est composé de galettes, de blé et de délicieuses dattes. Cléo enlève son turban. Colin éclate de rire. Son visage est tout bleu. Le tissu a des avec l'humidité. Mohamed lui sert un thé à la menthe bien sucré. Clic-clic. Il est coutume d'en boire au moins trois verres, précise t-il. Le soir venu, il campe en plein air. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie, s'exclame Cléo. Je vais jouer du tambour en signe de notre amitié. Ici, le bandir est de toutes les fêtes, dit Rachid, clic La nuit, il fait très froid dans le désert. Cléo se glisse sous les couvertures, puis hante des dromadaires. Leau contre Colin et s'endort. Au petit matin, Cléo s'aperçoit que le sol est mouillé. Malheur, la gourde qui était mal fermée s'est vidée. Ils devront faire des kilomètres sans eau. Cléo a la bouche sèche sous le soleil brûlant. Au loin, une rivière entourée de palmiers. Clic clic, une oasis. Quelle chance! Cléo boit enfin l'eau tirée d'un puits. De ma vie, je n'ai jamais autant apprécié l'eau, réalise-t-elle. La photoréporteur quitte ses compagnons pour poursuivre sa route. Des enfants venus à Doudan chercher de l'eau la salut Aziza et Bachir invitent la voyageuse à venir chez eux. Après les présentations, Aziza étend une nappe sur le sol. Elle y dépose un plat géant de couscous. Sont bons. Les sept membres de la famille s'assoient autour du plat et mangent le couscous avec la main droite. Clic clic. Bachir rote. Sa mère, au lieu de le regarder, limite. Rôter après avoir mangé et signe d'appréciation. Dit Aziza. Cléo aperçoit de jolis motifs dessinés sur la main d'Aziza. Clic clic. Les tatouages au aîné. « Sans une coutume de chez nous, cette plante est utilisée comme produit de beauté. Elle sert aussi à tendre les cheveux roux », explique la mère d'Aziza. La conversation continue autour d'un thé à la menthe. La jeune Marocaine parle de son pays gouverné par un roi et de ses multiples mosquées, lieux de prière des musulmans, les pratiquants de la religion de l'islam. La photographe désire aller voir ces belles mosquées. Elle prend congé de son amie en imitant son joli geste. Elle dépose un baiser sur sa main droite pour ensuite la coller sur son cœur et flash. Cléo se retrouve à faire devant l'entrée d'une mosquée clic clic. Dieu est grand. Résonne une voix venant d'un haut-parleur. C'est l'appel à la prière. Les musulmans prient cinq fois par jour. Cléo observe les femmes dans la rue. Certaines portent de longues robes avec un capuchon. qui cliquent Quelques-unes ont le visage voilé. Quant aux jeunes filles, la majorité s'habille en pantalon. Cléo observe une fillette qui lit un livre de la fin vers le début. Surprise, elle lui demande pourquoi. Et apprends ceci comme l'écriture arabe se lit de droite à gauche, il est normal de lire les livres dans le même sens. Cleo souhaite faire quelques achats avant son départ. Elle arrive à un immense marché extérieur appelé souk. Clic clic. On y trouve de tout tapis, épices, poteries, vêtements et bien plus. Plusieurs marchands l'appellent. Bien voir mes beaux produits. Cléo, agacée et fatiguée, décide de rentrer au plus vite. Elle saisit son appareil photo et flash. Ouf! Soupire l'exploratrice, de retour dans le calme de sa chambre. Cette chaleur lui rappelle le désert. Vite un verre d'eau. La famille de Kiko. Voici la famille de Kiko. Kiko a deux papas. Papa Michel et Papa Hiro. Elle a aussi une grande sœur. Sa sœur se nomme Sarah. Kiko et Sarah ont la même maman. Elle s'appelle Yannicka. Elle habite dans une autre maison. Kiko et Sarah lui appellent souvent. Papa Hiro vient du Japon. Kiko et Sarah apprennent à lire le japonais. Tu vois ces syllabes? Ce sont des caractères japonais. Papa Michel aide à faire les devoirs. Il enseigne à Kiko à bien tenir son crayon. Quel beau travail! Après les devoirs, Kiko peut jouer. Elle aime faire des casse-têtes. Oh, c'est un oiseau! Sarah aime faire de l'origami. Elle plie du papier. Un pli à gauche, un pli à droite. Quelle belle fleur! Kiko et Sarah en détachent. Elles aident à laver la vaisselle. Kiko range les bols et les assiettes. Sarah range les ustensiles. En hiver, la famille de Kiko aime jouer dehors. Ils font de gros bonhommes de neige. Une boule, deux boules, trois boules. Kiko trouve de petites branches pour faire les bras. Papa Michel a une carotte pour le nez. Papa Hiro fabrique une couronne de neige. Sarah ajoute des patates pour les yeux. Oh regardez, dit Sarah. Le bonhomme de neige est plus grand que Kiko. Vive l'hiver en famille! L'arbre qui voulait être entendu. Partie 1. Il était une fois un grand être. Il avait grandi au milieu d'une belle forêt. Toute sa vie, il avait souhaité que quelqu'un l'entende. Quelques-uns d'autres que ses compères arbres. Chaque fois que des personnes faisaient des randonnées en forêt, il criait haut et fort Bonjour, les amis. Ohé, par ici. Vous m'entendez-vous Mais les gens ne l'entendaient jamais. Les autres arbres lui demandaient continuellement d'arrêter. Un jour, son voisin, le saule pleureur, lui dit Pourquoi cries-tu encore Tu vois bien qu'il ne de pas. Le hêtre lui répondit Je suis sûr que quelqu'un m'entendra un jour, si j'arrive à crier assez fort. Voyons, s'irrita le saule Nous sommes des arbres. Eux, ils sont des humains. Alors, s'il te plaît, arrête de crier, ça me dérange beaucoup, surtout quand je fais ma sieste. Mais le grand être n'en était pas persuadé. Après le sol se fit autour de l'orme, de commenter. Pourquoi cries-tu encore Tu vois bien qu'il ne t'entend pas. Le être lui Je suis sûr que quelqu'un m'entendra un jour si j'arrive à crier. Assez fort. Voyons donc, s'indigna l'orme. Eux, ils sont des humains. Les gens ne peuvent pas comprendre le langage des arbres. Alors, s'il te plaît, arrête de crier. Ça me dérange beaucoup, surtout quand je fais ma sieste. Cependant, le grand être n'était pas convaincu par l'orme et continua de saluer les randonneurs à haute voix. Le charme décida d'intervenir. Pourquoi cries tu encore? Tu vois bien qu'ils ne t'entendent pas. Le être lui répéta. Sans raisonnement, je suis sûr que quelqu'un entendra un jour, si j'arrive à crier assez fort. Mais enfin, c'est vexa le charme. Nous sommes des arbres, eux ils sont des humains. Les gens ne peuvent pas comprendre le langage des arbres ils ne peuvent pas t'entendre alors, s'il te plaît, arrête de crier. Ça me dérange beaucoup, surtout quand je fais ma sieste. N'étant toujours pas persuadé de la sourde oreille des hommes, le grand être resta bruyant. Un jour l'érable tenta de faire comprendre aux êtres que ses salutations assourdissante était complètement inutile l'érable le questionna gentiment pourquoi il le tu ainsi le être répliqua j'essaie de crier assez fort pour que les humains entendent. eh bien ils t'entendent affirma l'érable sans se fâcher grâce au vent ils entendent tes feuilles bruissées et tes branches grincer Toutefois, ils ne peuvent pas comprendre le langage des arbres. Alors, cela ne sert à rien de crier. Ça ne fait que déranger tous les autres arbres de la forêt. Mais les hêtres étaient têtus comme une mule. L'arbre qui voulait être entendu, partie 2. Plusieurs années passèrent, le être continuait de saluer les randonneurs à tue tête. Tous les arbres de la forêt pensaient qu'il était fou. Alors, plus personne ne voulait lui adresser la parole. Tous subissaient en silence ses cris. Puis arriva un jour où le être se sentit triste. C'était le jour où les bûcherons avaient abattu l'érable. Qui avait beaucoup vieilli, les autres arbres s'étonnèrent de voir que les têtres n'avaient pas parlé pendant la journée entière, et pourtant quelques randonneurs étaient bien passés par là. Alors son voisin le sauveleur, qui était maintenant vieux, lui aussi, lui demanda « Ça va les Non, » répondit celui-ci, « j'ai un gros chagrin aujourd'hui, à cause de ce qui est arrivé à l'érable. » Sans qui le saule? »« oui, soupira le être. Bientôt, je finirai comme lui. J'ai vieilli moi aussi, et pendant toutes ces années, j'ai cherché l'amitié des humains en vain. Du coup, j'ai perdu l'affection de tous mes compères. Arbre, le saule, dit alors au être. Pendant toutes ces années, tu n'étais pas comporté comme un arbre. Tu as toujours essayé de nouer amitié avec les humains. Mais si tu avais pris le temps de les observer, tu aurais vu qu'ils ont toujours été tes amis. Ils aiment nous rendre visite. Ils aiment notre forêt ombreuse et tranquille. Le être savait que le sol avait raison. Il ne cria plus jamais. Il regardait les randonneurs passer. Il les observait. Et dans leurs yeux, il vit de l'admiration pour la forêt. Le êtres était fier. D'être un arbre. Même si tout au fond de lui il voulait vraiment que les gens l'entendent, il n'essaya plus de leur parler. Finalement, après tant d'années de cris et de bruit, tous les compères arbres vécurent en paix. Puis un jour, les bûcherons arrivèrent une fois de plus dans la forêt. Ils s'arrêtèrent au pied du hêtre. Alors, le hêtre à ses compères arbres. Pour la dernière fois, pendant que les bûcherons se mirent au travail. À la fin de la journée, après que le hêtre fut dénudé de ses branches, il fit son vœu le plus cher Je souhaiterais tellement que les humains m'entendent. Avec un grand fracas, il tomba sur la terre humide. Les autres arbres étaient malheureux de perdre le hêtre. Ils étaient d'autant plus attristés qu'ils savaient à quel point leur ami avait voulu que les humains l'entendent. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Non loin de la forêt, on avait aménagé une estrade. C'était pour un concert en plein air. Tout était fin prêt. À la tombée de la nuit, les lumières colorées des projecteurs jaillirent dans le ciel. L'audience se fit entendre. À l'entrée de la vedette sur scène, il y eut une foule d'applaudissements suivis d'un court silence pendant que la célèbre musicienne prit place derrière son grand piano à queue. Puis, les spectateurs poussèrent des « oh oh » et des « ah » en entendant les premières notes de la virtuose. Le son majestueux émanant du bel instrument de musique retentit jusque dans la forêt. Là, sous les brillantes étoiles de la nuit noire, les arbres souriaient. Ils avaient reconnu la voix de leur ami de êtres, devenu grand piano à queue. Son vœu, le plus cher, était bien exaucé. Tous, arbres et humains, l'entendaient à merveille. Mamie, Papi et Daphné Ma famille, Maman, Daphné, Papa. Daphné saute de joie, elle s'en va chez Mamie et Papi. Dans son sac, elle met ses pantoufles et son pyjama. Et quel doudou pourront y aller aussi. Amstram, qui a gagné Charlotte et Moka. Aussitôt arrivée, Daphné caresse le chien Kiki. Elle demande :« Mamie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Mamie lui répond :« Vélo, bibliothèque ou cinéma Tu choisis, ma chérie. Moi, j'aime tout faire avec toi. Une promenade à vélo, ça ouvre l'appétit. Allons manger une crème glacée, propose Mamie. Daphne. Et les doudous adore se faire cater et mamie aime beaucoup faire plaisir à Daphné. Au retour, c'est papa qui prépare le repas et des crédités pour Daphné, Charlotte et Moka. Puis il sert des spaghettis, le plat préféré de Daphné. La fillette est ravie. Elle n'a qu'à s'asseoir et manger. Plus tard, devant la télé, on mange du maïs soufflé. Pourtant, l'heure du coucher est un peu dépassée. Ensuite, Papy lit et relit plein de beaux livres à Daphné avec une lampe de poche pour éclairer sous les oreillers. Le lendemain, Papy et Mamie viennent reconduire Daphné. Noisette lui prend la main. On oh, s'est ennuyé de toi, nous. Daphné est contente. De retrouver sa maison et les doudous. Mais elle sent déjà que ses grands-parents vont lui manquer. Au dîner, Daphné refuse d'aider et même de manger. Elle ne fait que bougonner. Papa doit la gronder. Inquiète, maman demande Tu n'as plus d'appétit Daphné répond Je préfère les spaghettis du papy. En secret, Daphné se confie à ses amis doudous. Papy et mamie font mille choses avec moi. Ils ne me grondent jamais, même si je ne range pas tout. Je m'ennuie tellement d'eux quand ils ne sont pas là. Mon cas prend l'album de famille et pointe des photos du toit. Avant, papy et mamie étaient les parents de ta maman. Maintenant, ils ont plus de patience et de temps. Tu es leur petite fille adorée. Eux aussi s'ennuient de toi. Dimanche, c'est au tour de papy et mamie d'être invitée Daphné est excitée. Elle a tant de choses à leur raconter. En servant les petites bouchées, elle leur donne des bisous. Toute la famille adore papy et mamie, même les doudous. Avant d'aller au lit, Daphné s'entoure de ses amis. Je suis bien ici et je suis bien chez papy et mamie. Je les aime très fort, même si je ne les vois pas souvent. Avec eux, j'ai une méga collection de merveilleux moments. L'aventure de Monsieur Wanish, partie 1 au manécage de la rochette, les animaux sont inquiets. Certains paniquent, d'autres ne dorment plus. Pourquoi tout se pas C'est que dans toute la réserve faunique de paix sur terre, l'eau du ruisseau baisse de jour en jour. À la rochette, le maire est un gros wawaron. On le nomme cuisse-l'eau à cause de ses cuisses dodues. Angoissé par les dangers du manque d'eau, il transpire à grosses gouttes. Il se creuse les ménages pour trouver une solution à l'énigme. Soudain, une idée le frappe comme un éclair. Si je consultais Monsieur Wanich, le meilleur détective de la région. Monsieur Wanich est un inspecteur très compétent, un courageux crapaud passionné d'aventure. Il accepte le défi. Il boutonne son imperméable et en relève le col. Calpin, écrivant un en poche, il pose sa casquette sur sa tête plate, fixe ses lunettes fumées bien en place. Le voilà prêt. Il saute dans son petit bateau d'écorce pour remonter le ruisseau. Plus loin, au village des tortues, un jardinier pleure à chaudes larmes. Les plantes manquent d'eau, snif, snif, leurs feuilles se ratatinent et les fleurs tombent, se lamentent-ils. Désorientés devant cette hécatombe, les pauvres abeilles tournent en rond. « j'ai peur de perdre mon emploi », déclare le domestique. Voyant cela, Monsieur Waniche murmure entre ses lèvres pincées « Quac, quac ». Nouille de nouille, la situation est plus grave que je ne le croyais. » Il réfléchit, sort sa grosse loupe. Il inspecte le fond gluant de étang. Quac, quac, bon courage, brave tortue, » dit-il en repartant. De son avion en tige de quenouille, il dirige prudemment sa frêle embarcation. Il doit faire très attention aux roches à fleurs d'eau. Plus loin au détour du ruisseau, près du saule, le crapaud s'arrête. Il voit un échassier aux pattes fusuler un grand héron bleu. Haut et fort, ces oiseaux inspirent le respect. Sur la berge, l'inspecteur aperçoit. Détruite, inconsciente, le héron les, les prend par son bec, une à la fois, puis les lance dans le petit bassin d'eau au pied de la chute quoi, quoi Qu'est ce qui se passe ici, monsieur Finpat ?» Surpris, le héron émet un cri frac. Il laisse tomber la truite. Le grand est chassé, et tire son long cou, cherche aux alentours. Qui a parlé? Un crapaud? C'est si petit. Vu de haut, il découvre monsieur Waniche. Monsieur Finpatte répond. Ah. Ok. Regarde. Il n'y a presque plus d'eau. En tombant de la chute, les poissons s'assomment sur les rochers. Ils vont mourir si je ne les remets pas dans le ruisseau. Il enchaîne avec l'un de ces sons gutturaux qui les caractérise. Ah, ok. Vous voulez aller plus loin dans cette embarcation d'écorce? Impossible, mon cher. Plus haut, c'est presque à sec. Monsieur Wanish proteste. Quoi, je suis en mission officielle. Je dois percer le mystère de la décrue. Tous ses muscles se tendent. Il ne voudrait pas échouer dans son enquête. Il se dresse sur ses pattes arrière pour mieux voir. Quoi, quoique, je suis incapable de monter là. Découragé, il prend de grandes respirations. Quoi, c'est critique. Il réfléchit. Quoi, si par chance je réussis à monter, je devrais continuer à pied de monter au héron. Ah, ok, bien sûr. quoi quoi et ma mission? Ha, 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 ricane l'oiseau. Ah, ok, vous croyez maintenant qu'à petit saut sur vos courtes pattes, vous arriverez à sauver le pays? Passez la chute, il y a encore loin jusqu'à la rivière. Vous ne le savez pas? Triste, Monsieur s'assoit. Il pense, si j'étais grand, beaucoup plus grand, je serais capable de sauter haut, très haut. Monsieur Finépat le regarde et se dit, j'aimerais tant être détective. Les deux réfléchissent. Quoi, quoi, que si je pouvais voler dit tout haut le crapaud. Devant la détresse du petit amphibien, le héron s'exclame, Ah Ok, je peux vous aider. Je vole, moi, il ajoute. Ah, ok, nous planerons au-dessus du des ruisseau. Nous irions jusqu'à la rivière. Quoi, quoi, ensemble? C'est impossible, voyons. Ah, ok, laissez-moi faire. Ayez confiance. Alors, Monsieur Finpat prend délicatement Monsieur wanich dans son bec et l'installe sur son dos. Le vertige s'empare de l'inspecteur. Il respire très vite. Il n'a jamais été à une pareille altitude. C'est connu, les crapauds détestent les hauteurs. Ah, ok, agrippez-vous bien, nous partons. Le héros rentre la tête dans ses épaules et déplace ses ailes. Il se donne un élan et s'envole lentement. Le pauvre monsieur Aniche tremble, presque évanoui de peur. Ah, ok! Tenez-vous bien, crie le conducteur. L'aventure de Monsieur Aniche, partie 2. Trop petit, Monsieur Aniche ne voit pas en bas. Par contre, un spectacle vraiment inquiétant s'offre à Monsieur Finepattes. Il observe les animaux. Certains pleurent, d'autres marchent sans but. L'air abriti les écureuils tombent à la renverse, les tanias se roulent sur le ventre, plusieurs parlent et gesticulent, quelques-uns crient, les lièvres ont la nausée, les couleuvres se dressent et sifflent. C'est la panique, les ratons laveurs se mordent la queue et les marmottes ont mal au ventre, même les coccinelles ne savent plus où aller, les abeilles volent dans tous les sens. Tous craignent pour leur vie. Personne ne sait quoi faire pour régler la situation. C'est grave, à peine un sifflet d'eau coule dans le ruisseau. Arrivés à l'embouchure de la rivière, les voyageurs découvrent un amas de troncs et de branches d'arbres barrant un planteau. Sur la rive, une famille de mammifères à la fourrure brune prend du bon temps. Ils se font chauffer au soleil. Ils ont l'air joyeux. L'oiseau tourne autour d'eux en descendant lentement. Il plane en cercle pour permettre à son passager d'examiner l'action au sol. Ah, ok. Voyez-vous ce que je vois, monsieur Wanish? Quoi, Koa. Oui, qui sont ces individus? Je ne reconnais pas cette race. Monsieur Anish a un trac fou, son cœur bat très vite. Ah, ok, ce sont des castors, ils ont construit une digue. Elle retient l'eau. Allons-y, reprend les Quoi, quoi, nous sommes à l'extérieur de la réserve du paix sur terre. Sont-ils des animaux amis? Ah, ok, je ne sais pas, je n'en ai jamais rencontré un encore. Allons leur parler, nous verrons. Entre-temps, les castors montrent fièrement leurs grosses dents dans un sourire accueillant. « Clac, clac !» fait la queue du papa castor en frappant la surface du loup. Il dit « Bonjour, monsieur l'iron !»« Flouc, chouc, chouc, cac, cac !»« Bon, on, on jour !» répond l'oiseau du savoir roc, un peu chevrotante. Coa coa Bon, en tremblotant le détective La famille grigeotte au complet lève la tête. Maman castor rassemble ses petits. Un crapaud sur le dos d'un héron, il en sont estomaqués Devant ses gros rongeurs, l'inspecteur se sent minuscule mais l'accueil chaleureux le rassure. Monsieur Maniche, et fines pattes annoncent le but de leur visite. Ils décrivent les angoisses qui secouent les habitants de pays sur terre. Clic, clic, nous aussi, les castors, dit Papa Crujotte en faisant claquer ses grosses dents. Nous avons des besoins indispensables. Il nous faut beaucoup d'eau autour de notre maison. Clic, clic, nous érigeons un barrage avec des arbres pour élever le niveau de l'eau. « Et nous cachons la porte d'entrée sous notre maison pour nous protéger », explique Maman Gréjotte. « Son ventre, c'est nous à l'idée de voir démolir leur domaine. » Monsieur Anish et son compagnon écoutent attentivement. Ils sont surpris de ce qu'ils apprennent. Ils se demandent comment résoudre le problème. « Et Castor ?» ignorait que la construction de leur maison privait les citoyens de paix sur Terre de l'eau, du ruisseau et du marécage nécessaire à leur survie. Tout se pose la question, que faire C'est alors que Monsieur Anish a une idée géniale. quoi 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 Écoutez les amis, j'ai une suggestion. Organisons une corvée. Nous demanderons l'aide de tous les animaux de la région. Nous allons creuser un canal un peu en amont à partir de la rivière. Il contournera votre propriété et fera dévier de l'eau vers le ruisseau. La réserve de paix sur terre sera sauvée et vous ne serez pas dérangé. Qu'en dites-vous y conclure une entente après une franche poignée de pattes. L'inspecteur et son chauffeur à lancer la bonne nouvelle. Plus tard, à les travaux terminés, l'eau reprend son cours normal, et les castors, devenus amis de tous, sont désormais citoyens de paix sur terre. Aujourd'hui, au marécage de La Rochette, on fait la fête. On est venu à bout de l'obstacle qui semblait insurmontable. Les animaux ont retrouvé calme, et confiance. Le maire qui se le félicite Messieurs et Mme Rijote et puis Messieurs Finpat et Wanich pour leur succès. Il souligne que les braves habitants de Paix sur Terre ont réussi parce qu'ils ont cru en eux et se sont fait confiance. Ils ont prouvé qu'avec l'entraide, on peut parvenir à faire de grandes choses. Les héros ont chaleureusement applaudi. Le détective est très content de son exploit, encore plus quand le maire déclare que M. Waniche est le premier crapaud à avoir voyagé à dos du Héron. Il félicite l'inspecteur car il a cru à l'entraide et vaincu ses peurs, montrant ainsi sa bravoure. Il les déclare roi des crapauds détectives. Tous applaudissent le héros. La poitrine de Monsieur Caniche se gonfle de fierté au point que les boutons de son imperméable se décousent et volent en éclats. Quelle aventure extraordinaire il a vécue! Charlie à Toronto Charlie aime se promener à Toronto. Il y a tellement de belles choses à voir. C'est comme faire le tour du monde. Viens découvrir Toronto avec Charlie. Voilà Charlie dans le quartier grec. Charlie entend de la musique traditionnelle. On joue cette musique sur un bouzouki. Ça donne le goût de danser. Où se trouve Charlie maintenant? Dans le quartier indien. Charlie admire les sari. Ce sont les robes aux couleurs vives. Une plage à Toronto Oui, sur le bord du lac Ontario. Charlie est prêt à jouer au ballon. Charlie se rend dans le quartier italien. Spaghetti, macaroni. Il y a bien de pâtes différentes ici. Charlie choisit de délicieux raviolis. Miam Au centre de Toronto, il y a beaucoup de gratte-ciel. Attention Charlie, il y a aussi beaucoup de voitures. Charlie veut maintenant visiter un musée. À Toronto, il y en a plusieurs. Lequel choisira-t-il Le musée de la chaussure Charlie adore les souliers. Charlie peut maintenant voir la tour CN. Elle est bien plus haute que tous les édifices. Ce soir, la tour est illuminée en rouge. Il est très tard, c'est le temps de rentrer. Quelle belle journée pour Charlie! Bonne nuit Toronto! Maya a peur de tout. Maya a peur de tout. Maya crie très fort lorsqu'elle a peur. Lorsque Maya a peur, Pablo rit et rit. Maya entend le tonnerre, elle a très peur et crie fort. Ah, Pablo entend le tonnerre aussi. Il n'a pas peur, il rit et rit. Maya voit un chien. Elle a très peur. Écrit fort. Ah, Pablo voit le chien aussi. Il n'a pas peur. Il rit et rit. Maya voit une araignée. Elle a très peur. Écrit fort. Ah, Pablo voit l'araignée aussi. Il n'a pas peur. Il rit et rit. Un jour, maman prépare des tartines. Voilà une tartine pour toi et voici une tartine pour Pablo, dit maman. Pablo, dit Maya, viens chercher ta tartine. Pablo arrive derrière Maya. Il crie fort, bouh Maya a très peur. Elle crie fort aussi, ah Les tartines tombent sur la tête de Pablo. Pablo crie, ah Pablo a très peur, dit Maya. Elle rit et rit. Martin le Lapin Une belle journée commence à la ferme du père Anselme. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Mais Martin le Lapin s'ennuie. Il n'a rien à faire. Tous ses amis sont partis. Tout près de son clapier, Martin aperçoit une paire de mocassins. Oh, comme ils me vont bien! se dit Martin. Martin aime beaucoup ces nouveaux mocassins. Il imagine qu'ils ont des pouvoirs magiques. Avec ces mocassins, je vais voyager dans le monde entier, pense Martin. Petit mocassin, emmenez-moi au cœur de la jungle. Deux joyeux singes se balancent de liane en liane. Martin se balance avec eux. Ah, je suis le plus habile, se dit Martin. Petit mocassin, Emmenez-moi sur une banquise au pôle Nord. Un troupeau de rennes court sur la neige. Martin court avec eux. Ah, je suis le plus rapide, se dit Martin. Petit mocassin, emmenez-moi au milieu de l'océan. De gentils dauphins s'amusent dans les vagues. Martin s'amuse avec eux. Ah, je suis le plus agile, se dit Martin. Petit mocassin emmenez-moi à la ferme. Quel beau voyage Martin est très heureux avec ses mocassins magiques. Il a visité le monde entier Maquois a perdu sa maman C'est le power il y a beaucoup de monde à la fête. Marco a perdu sa maman dans la foule. Charlie essaie de consoler son ami Marco. Charlie a une idée. Je vais dessiner le portrait de ta maman. J'écrirai dessous, maman Nika perdue. C'est une très bonne idée, dit Marco. Charlie dessine un visage. De quelle couleur sont ses yeux? Demande Charlie. Ses yeux sont brun foncé, lui répond Marco. Charlie dessine les cheveux de maman Nika. Ses cheveux sont très longs, précise quoi De quelle couleur sont ses cheveux, demande Charlie. Ses cheveux sont noirs et brillants, dit Maqua. Le portrait est terminé. Vite, allons le montrer à tout le monde. On va retrouver ta maman. Ne t'inquiète pas, mon ami, dit Charlie. Allons chercher par là, dit Maqua. Il montre le portrait. Personne n'a vu maman Nika. Des amis cherchent avec Charlie et Maqua. Même les animaux de la forêt cherchent monica Tous, ils espèrent la retrouver. C'est le temps de la danse des femmes. Elles entrent dans le cercle de la danse. Soudain, Charlie aperçoit Mammonica. Elle a des yeux bruns foncés. Elle a de très longs cheveux noirs. C'est ma maman, crie Makwa. Enfin, Marquois retrouve sa maman. Elle a eu très peur. Ma Monique a eu très peur, elle aussi. Elle avait perdu sa petite Makwa. Makwa remercie Charlie. Charlie est heureux d'avoir aidé son ami. Tous dansent et chantent joyeusement. Ils fêtent jusqu'au soir. Cléo, clic clic au Yémen. Cléo une encyclopédie dans le calme de sa chambre. Un bâtonnet dans brûle sur sa tête de nuit. Elle aime son odeur parfumée. Colin est allergique à la fumée, qui apprend que cet aromate du Moyen-Orient valait très cher et qu'il était transporté à dos de chameau à partir du Yémen pour être vendu en Méditerranée. Colin, allons au Yémen, sur cette fameuse route de l'encens Cléo prend son appareil photomagique et flash. Cléo et Colin réapparaissent sur le toit d'une terrasse à Sanaa. La capitale du Yémen leur offre un panorama magnifique. On dirait des maisons en point d'épices qui cliquent. À l'étage inférieur, une salle bondée de messieurs qui discutent. Dans les escaliers, les aventuriers rencontrent une jeune Yéménite. Ses jolis yeux sont maquillés. De traits de charbon noir le coulent. Cléo lui demande pourquoi il n'y a que des hommes là-haut. Les jours de fête, hommes et femmes célèbrent séparément, dit Samia. Samia explique qu'aujourd'hui ils célèbre un mariage. Elle invite Cléo à entrer dans un salon rempli de femmes. Sois la bienvenue. Lui souhaite-t-elle en cœur. Cléo ne cache pas sa surprise. se la mariée, a l'air si jeune. L'aventurière prend en photo deux fillettes aux mains peintes, clic-clic. Une femme offre à Cléo une boisson bien particulière. Il s'agit d'une eau infusée à fumée d'encens. Samia montre à Cléo comment brûler de l'encens. Elle lui donne des pépites pour qu'elle les déposent dans l'encensoir. Clic-clic, on approche les récipients fumés de Bilkis pour lui parfumer la nuque. Les femmes poussent des petits cris de joie. Youhou, youhou! Les plus jeunes dansent deux par deux sur une musique entraînante. Samia montre les pas de danse arabe à Cléo. Colin danse seul. À pas de tortue tout en éternel. Hein? Cléo remercie ses hôtes pour leur hospitalité, puis les quitte. à la fête continue au son des battements de tambour. Les hommes dansent en cercle au rythme des tambours. Il s'agit d'une danse pour célébrer les mariages. Clic-clic! Soudain, Léo entend des détonations, sursaute et tombe. « Ce ne sont que des enfants qui font exploser des pétards. Je me suis couverte de poussière et de ridicule. » Admet la voyageuse. « Rejoignons au plus vite cette fameuse route de l'encens. Enchaîne-t-elle »« Prêt pour le décollage, Colin ?» Flash. Il se retrouve aussitôt dans une superbe vallée. « Clic, clic !» Un garçon les aborde. Il connaît bien la culture de l'encens. Ali leur apprend comment entailler l'écorce de l'arbre nommé boswellia, d'où s'écoule une sève blanche qui sent bon. Une fois durcie, la substance forme des grains dorés d'encens. Cléo offre à Ali le bâtonnet d'encens qu'elle a dans sa poche. Elle lui explique que chez elle, l'encens est vendu sous cette forme, Cléo questionne à sur le sabre qu'il porte à la hanche. Le jambier est une parure masculine, une tradition du Yémen. Mon père me l'a offert à quatorze ans pour souligner mon passage à l'âge adulte, dit-il fièrement. Les enfants yéménites deviennent adultes bien jeunes, pense Cléo, clic Cléo reprend sa route. Un garçon lui fait signe d'approcher. Il se présente. Il s'appelle Mahin et son lézard, les agas. Clic clic. Cléo, intriguée par le minuscule reptile, tente de l'attraper. Horreur! Elle arrache sa queue alors qu'il s'échappe. Ne t'inquiète pas, elle repoussera dit Maï en riant. Tu connais à présent le jeu d'adresse préféré des enfants yéménites. Ali revient à Dodane. Il fait monter l'aventurière. Ali prend la route des marchands dans son d'autrefois. Cléo observe les déserts de roches qui s'étendent à perte de vue. Elle imagine une caravane de chameaux transportant leur cargaison. Elle voit apparaître deux femmes qui cheminent sur la piste. D'où venez vous? les interroge Cléo en descendant de l'âne. Nous sommes à l'épuiser de l'eau, à une heure de marche d'ici. C'est une des tâches confiées aux femmes, dit l'une d'elles. Une fillette tente de soulever le seau. Clic clic. Les femmes invitent les voyageurs à venir manger chez elles. La famille elle s'assoit autour d'un plat de haricots rouges. Très épicé, Cléo et Colin sentent leur langue s'enflammer à la première bouchée. Khadija raconte la légende de la reine de Sabah qui a engagé son peuple dans le commerce très payant de l'encens. Sous son règne, le Yémen se fuse, appelé l'Arabie heureuse. Cléo décide de se rendre dans la cité de cette jeune reine. Les petits lui disent au revoir depuis la fenêtre, clic-clic et flash. Cléo réapparaît à Marib sur le site de l'antichrome. Des piliers de pierre sont les seules traces du passé. Un garçon grimpe entre les colonnes. millénaires. clic-clic. Le soleil se couche. Il est temps de rentrer. Flash. La voici dans sa chambre. Le bâtonnet dans son brûle toujours. Elle s'en approche pour se parfumer la nuque. Comme Bilkis. Cléo Prête pour aller au mariage de tante Christine? Sa mère l'appelle d'en pas. Elle ne se doute de rien. Bernard le canard. Une belle journée se termine à la ferme. Les animaux vont se coucher. Demain matin, ils iront tous pique-niquer dans le grand pré. Bonne nuit les amis. Coin, coin, coin. Bernard a des choses à raconter. Il bavarde du matin jusqu'au soir. Il se couche toujours très tard. Coin coin coin. Bernard le canard se dandine jusqu'à l'écurie. dort Dors-tu, Réal demande Bernard. Réal, le cheval, dort déjà. Va te coucher, Bernard, chichotte Mimi la chauve-souris. Il est déjà tard. Tous tes amis sont au lit. Tu dois te lever tôt pour aller pique-niquer, dit Mimi la chauve-souris. Couche-toi de bonne heure, tu seras en forme et de bonne humeur. Coin, 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 Bernard, le canard une jusqu'à l'étable. Dors-tu, Ginette demande Bernard. Ginette, la vache, dort déjà. Va te coucher, Bernard, chuchote Jean-Louis le hibou. Il est déjà très tard, tous tes amis sont au lit. Demain, tu dois te lever tôt pour aller pique-niquer, dit Jean-Loup. couche toi de bonne heure, tu seras en forme et de bonne humeur. Le lendemain, le jour du pique-nique, on cherche Bernard partout. Où est le petit canard On le trouve bien endormi dans son nid. Réveille-toi, Bernard Crient les animaux. Nous allons pique-niquer dans le grand pré. Bernard s'élève. J'arrive, répond-il d'un air grognon. Pendant le pique-nique, les animaux s'amusent bien, mais où est Bernard? Ginette la vache l'a trouvé. Le petit canard dort au milieu du pré. Il est fatigué, Bernard. Il s'est couché très tard. Ginette la vache le réveille doucement. Ça va, Bernard? lui demande-t-elle. J'aimerais jouer avec vous, mais je suis trop fatiguée. La prochaine fois, je me coucherai tout, dit Bernard. Bernard se rendort. Repose toi, petit canard. À bientôt. Un monstre dans la nuit Christopher ne peut pas s'endormir. Depuis trois nuits, il fait le mauvais rêve. Dans son rêve, un monstre vient dans sa chambre. La première nuit, un monstre était dans le placard. La deuxième nuit, il était sous le lit. La troisième nuit, il était juste à côté de lui. Ce matin, Christopher a raconté ses rêves à son ami Lexi. Lexi lui a prêté son Chilou. Chilou chassera le monstre, dit Lexi. Tu crois, dit Christopher Oui, il a des pouvoirs magiques. C'est l'heure de dormir. Christopher vérifie chaque recoin de sa chambre. Il regarde partout, partout, partout. Il ne voit pas de monstre. Christopher éteint la lampe et se glisse sous les couvertures. Christopher place Chilou sur son oreiller. Il sent Chilou près de son visage. Chilou le rassure. Lentement, ses yeux se ferment. Ça y est, il dort. Christopher rêve. Tout à coup, il entend un grognement. Le monstre bouge près de ses pieds. Christopher crie. Au secours! Tout à coup, il entend la voix Lexi. Chilou, à toi de jouer. Chilou, Christopher l'avait oublié. Maintenant, il n'a plus peur. Il sait que Chilou va l'aider. Christopher entend un petit cri au pied de son lit. Hi! Un tout petit cri de monstre effrayé. Christopher se réveille. Il allume la lampe. Chilou n'est plus sûr à son oreiller. Il est maintenant au pied du lit. Chilou fait de la magie, c'est dit Christopher. Le monstre est disparu. Christopher se sent bien, il est la lampe et se glisse sous les couvertures. Il a replacé Chilou près de lui. Lentement, ses yeux se ferment. Ça y est, il dort. Christopher n'a plus peur des monstres. Au lit, Daphné. Ma famille, maman, Daphné, papa. La journée de Daphné est presque terminée. Pour elle, c'est bientôt l'heure de se coucher. Évidemment, la fillette n'est pas pressée, elle n'a pas envie d'aller au lit ni de s'y préparer. La petite fille doit d'abord faire sa toilette, mais c'est bien plus drôle de jouer avec sa serviette ou de répandre du dentifrice un peu partout qui doit nettoyer Bien sûr, c'est un doudou. Il y a ensuite son pyjama enfilé. Pour étirer le temps, Daphne réussit à s'en prêter. Elle a une jambe en haut et les bras tout emmêlés. Une chance que Charlotte elle a pour l'aider. Maintenant que Daphne est prête à se coucher, papa peut lui lire son histoire préférée. Ils s'installent tous deux confortablement, heureux de partager cet agréable moment. L'histoire est à peine terminée que Daphné demande un verre d'eau. Une fois la soif de la fille étanchée, Papa fait jouer la chanson du doudou. La musique s'achève. C'est déjà la fin. C'est maintenant le moment du gros câlin. Papa s'apprête à dire bonne nuit quand Daphné a soudain envie de pipi. Daphné est bien installée dans son lit. C'est au tour de maman de venir l'embrasser. Fais de beaux rêves, ma princesse chérie. Bonne nuit, ma petite maman adorée. Attends, maman ne dort pas déjà Ma princesse, tout va bien, tu es en sécurité. Papa et maman sont dans la pièce juste à côté. Mais il me manque vanille, clafouti et nougat. La lumière éteinte, la routine du dodo est terminée. Daphné ressent une petite envie de pleurer. Elle a peur du noir et du grand méchant loup. Heureusement pour se rassurer, elle a les doudous. Ils sentent tellement bon les doudous, leur odeur familière réconforte Daphné. Ils sont si doux à caresser les doudous. Daphné s'endort complètement apaisée. blottie dans les bras de ses doudous adorés, Daphné dort maintenant à point fermé, pendant que papa et maman, de leur côté, profitent d'une petite pause bien méritée. Courage, Daphné. Ma famille, maman, Daphné, papa. Daphné s'amuse au parc avec maman et papa. Bien sûr, les formidables Dudous aussi sont là. Papa dit, regarde, Daphné, aimerais-tu faire une activité Le judo, la natation Propose maman, de l'air, en jouer. La voix tremblante, Daphné répond. Non, non, non. Papa et maman ne comprennent pas sa réaction. Pourquoi? Ils lui demande Fanny en s'approchant. Daphné hésite. Elle ne le sait pas vraiment. Ça pourra être amusant, dit alors maman. Je ne veux pas d'activité à vous, Daphné, en pleurant. Je ne connaîtrai personne. Et si je tombais? Et si j'étais blessée? Et si tu oublies de venir me chercher. Ici, et si, ici. Et si, la tête de Daphné n'arrête plus de penser. Pas de danger, dit maman. Impossible de t'oublier. Papa sourit tendrement. Ma chérie, je te comprends. Les choses nouvelles, c'est parfois effrayant. On serait là pour t'encourager. Ajoute les doudous. Vanille, confie un truc à Daphné. Si tu as peur, pense à nous. Une fois rassurée, la fillette choisit la natation. Elle se demande bien qui donnera les leçons. Le lendemain, papa accompagne Daphné au vestiaire, puis il la guide jusqu'au groupe des dauphins verts. Papa fait un câlin à sa petite fille avant de la laisser. Il dit :« On sera à côté dans les gradins à te regarder. » Car où la monitrice accueille la nouvelle nageuse. Quel joli maillot, comme tu es chanceuse. Mais, quand vient le temps de se tremper les pieds, Daphné panique et s'écrie, je ne sais pas nager! Caron réconforte Daphné. Pour tous les amis, c'est pareil. Allons-y doucement. Commençons par les orteils. Daphné s'approche de la piscine. Elle pense à ses doudous chéris. Puis, elle entend papa crier, tu es capable Daphné? Vas-y! Daphné s'assoit sur le rebord et met les pieds dans l'eau. Un ami lui sourit et l'applaudit. Tu es bonne, bravo! Tout de suite, Caro organise un jeu où il faut s'arroser. Daphné oublie ses craintes. C'est rigolo d'être toute mouillée. Après la leçon, Daphné est heureuse. Elle a vaincu sa peur. Elle serre très fort les doudous sur son cœur. Papa, et maman sont fiers de leur brave petite fille. Le truc de penser à nous a bien fonctionné, Divani. Ce soir-là, papa ne comprend plus rien. Dans le bain, Daphné se prend pour un dauphin. Et quand maman vient lui souhaiter bonne nuit, Daphné demande si elle peut faire du judo aussi. Pistache, la petite bernache. L'automne est arrivé. Les Bernaches se préparent à s'envoler vers le sud. Pistache, la petite bernache, se prépare à s'envoler aussi. Pistache, regarde, papa. Je vais voler devant toutes les bernaches, dit-elle. Tu es trop petite pour voler vite, dit papa. Pistache, regarde, maman. Je suis grande et je peux voler très vite, dit-elle. Tu es petite et tu vas vite te fatiguer, dit maman. Pistache s'envole devant toutes les Bernaches. Elle vole vite pour rester devant. Mais Pistache se fatigue très vite. Pistache veut se reposer sur la terre. Bonjour, petite Bernache, dit la marmotte. Je ne suis pas petite, je suis grande, et je vole très vite, dit Pistache. Pistache veut se reposer sur l'eau. La petite Bernache est si fatiguée qu'elle s'endort vite. Elle dort et dors. Réveille-toi, petite bernache, dit une grenouille. Les bernaches volent vers le sud. Je suis une petite bernache, mais je peux voler vite vers le sud, dit Pistache. Pistache vole vite. Elle vole vers le sud, derrière toutes les bernaches. Bravo, Pistache, disent papa et maman. Bravo, bravo. Marie-Ève la chèvre C'est l'heure du dîner à la ferme du père Anselme Marie-Ève la chèvre Artref. Ah, oh les jolies fleurs rouges là-bas Miam Miam Comme elles ont l'air délicieuses dit Marie-Ève Réal le cheval passant par là Piétine les fleurs Marie-Ève la chèvre est très fâchée comme tu es méchant, dit elle au cheval. Je suis désolée. Je n'ai pas vu les fleurs répond réal. Grrr marie la chèvre s'énerve. Simon le mouton arrive. Bonjour, MarieÈve. Laisse moi t'aider. Compte jusqu'à trois pour te calmer. MarieÈve compte. Un, deux, trois. » la chèvre s'énerve. Elle est encore très en colère. Oh là là, comme elle est fâchée Ginette, la vache, arrive. Bonjour, marie laisse-moi t'aider à te calmer. As-tu essayé de compter Oui, mais ça n'a pas fonctionné, répond la chèvre. Va te promener, ça pourrait t'aider à te calmer, suggère Ginette. Marie-Ève marche jusqu'au poulailler, puis elle revient. Grrr marie la chèvre, s'énerve. Elle est trop en colère pour se calmer. Oh là là, comme elle est fâchée! Léon, le cochon arrive. Bonjour Marie-Ève. Laisse-moi t'aider à te calmer. As-tu essayé de compter? Es-tu allé te promener? demande-t-il. Oui, mais ça n'a pas fonctionné, répond la chèvre. Fais un peu de yoga, suggère Léon. Marie-Ève, essaye une pause de yoga. Oh, voilà marie qui bascule sur le côté. Elle se met à rigoler. Elle rigole sans arrêter. « Hurrah! Elle n'est plus fâchée. Marie-Ève trottine jusqu'à l'équirie pour voir Réal et s'excuser. Elle lui donne un bisou sur la joue. « Je suis désolée, mon ami, » dit Marie-Ève. Allons manger dans le grand pré. Nous allons nous régaler, » répond Réal le cheval. Maintenant, quand Marie-Ève, la chèvre, est fâchée, elle connaît un bon truc pour se calmer. LES Trois super-héros Gaston, le raton laveur, dort bien au chou dans son arbre. De gros nuages gris couvrent le ciel. Les animaux de la forêt se mettent vite à l'abri. Tout à coup, des éclairs illuminent le ciel. Le bruit du tonnerre réveille Gaston. Heureusement, je suis à l'abri, pense-t-il. Au secours Mais un éclair frappe son arbre. L'arbre craque et tombe. Au secours crie Gaston. Trois super-héros entendent l'appel au secours. Ces trois super-héros sont Super Charlie, Super Alva et Super Rosalie. Pauvre Gaston il faut agir vite, s'exclame Rosalie. Super Rosalie est la plus rapide. Super Charlie et Super Alvin s'accrochent à elle. Et c'est parti pour nos super amis. Aussitôt parti, aussitôt arrivé. Merci super Rosalie. Mais où est Gaston? se demandent les super héros. Oh. Il est sous l'arbre. Gaston, attends, je vais t'aider, dit Super Alvin. Super Alvin peut soulever n'importe quoi. Avec ses yeux, il soulève l'arbre et le déplace. Gaston est sauvé. Merci, Super Alvin. Aïe. J'ai mal, dit Gaston. Il est blessé à la jambe. Super Charlie. C'est à ton tour, dit Super Rosalie. Super Charlie peut tout guérir avec ses pieds. Il pose un pied sur Gaston. Et voilà. Gaston est guéri. Merci, Super Charlie. L'aventure n'est pas terminée pour nos super-héros. Mon arbre est tombé dit Gaston tristement. Super Charlie, pose les pieds sur l'arbre. L'arbre est relevé. Merci Super Charlie. Les super-héros s'envolent dans le ciel. Une autre aventure les attend. Gaston retrouve son lit dans son arbre. Il s'endort bien au chaud et il rêve de devenir super Gaston. Des instruments de musique écolo. Maqui et Cléo préparent un spectacle de musique. Je vais jouer de la guitare au spectacle, mais je n'ai pas de guitare, dit Maqui. Je vais jouer de la flûte au spectacle, mais je n'ai pas de flûte, dit Cléo. Les amis vont demander à Pico de les aider. Bonjour Pico, nous préparons un spectacle. Je vais jouer de la guitare. Mais, je n'ai pas de guitare, dit Maki. Moi, je veux jouer de la flûte, mais je n'ai pas de flûte, dit Cléo. Pico montre des objets aux amis. Il y a une vigne, des roseaux, un vieux seau et un vieux ballon. Vous pouvez fabriquer des instruments de musique avec ces objets, dit Pico. Maki fabrique une guitare avec la vigne. Cléo pince la vigne. La vigne fait un son rigolo. C'est parfait pour une guitare, dit Maki. Maqui fabrique un tambour avec le vieux seau et le vieux ballon. Le tambour fait boum boum. C'est parfait pour un tambour, dit Maqui. Cléo fabrique une flûte avec des roseaux. Elle souffle dans la flûte. Les roseaux font un son doux. C'est parfait pour une flûte, dit Cléo. Voilà des bons instruments de musique écolo, disent les amis. Bravo pour le spectacle écolo disent les animaux. Zizani dans l'armoire partie 1. Oh là là, quelque chose de grave vient de se produire dans l'armoire à linge. Une nappe de dentelle a été placée sur une étagère réservée pour un résident imposant. La petite Nap offre un lumineux sourire au couvre-lit à moitié endormi. Elle annonce de sa voix chantante Bonjour, je m'appelle Napi. Et toi? L'autre ne répond pas. Il la regarde d'un air dédaigneux. Après quelques minutes, il déclare Je me Monsieur Divé. Ne sais-tu pas qu'il est impoli de tutoyer un patriarche comme moi? Excusez, monsieur Divé, se répand-elle toute peinaude. Puis, elle se tait. Quelques instants plus tard, il l'avertit sur un ton grognon. Ici, c'est moi qui fais la loi. Je suis le doyen et l'habitant le plus précieux de cette armoire. On m'utilise seulement dans les grandes occasions. Moi aussi. De quel droit viens-tu envahir mon espace? On m'a déposé là, tout simplement. J'arrive de la corde à linge. Sentez l'arôme du bon air frais. La corde à linge? Tu crois m'impressionner? Moi, un sachet de pure lavande cachée entre mes plis me parfume. Et tu sauras que la lavande est beaucoup plus adorante que la corde à linge. À son tour, la nappe ne répond pas. Elle ne veut pas se disputer avec l'orgueil individu. Au bout d'un moment, « Dis donc, tu prends trop de place. »« J'ai besoin de toute la tablette pour m'étendre et me reposer. »« Allez, ouste, fais de l'air. »« Ordonne les déplaisants, monsieur Duvet. » La nappe s'étasse, s'étasse encore jusqu'au bout pour éviter l'arrogant personnage qui s'étire, s'étire sans cesse en bougognant. « Aïe, arrêtez !» Si vous continuez comme ça, je vais basculer, je serai toute sale. Je ne pourrai pas recouvrir à la table ce soir. Hi, hi, hi. Recouvrir à la table? C'est un drôle deux de seconde classe. Ça, ricane, l'effronter. Napi essaie de toutes ses forces de ne pas se mettre en colère mais elle ne peut s'empêcher de répondre. Mon emploi est aussi important que le vôtre. Quand une table est décorée d'une belle nappe, le repas devient beaucoup plus appétissant et l'atmosphère plus joyeuse. D'autre part, savez-vous qu'il n'existe pas beaucoup de nappes comme moi, travaillées point par point par des doigts de fée Elle ajoute J'ajoute mine de rien les conversations des convives, j'en apprends des choses. Ah ah ah, ce mot que le couvre-lit. Puis il pousse, pousse, pousse jusqu'à ce que fruch, la petite nappe soit ébranlée. La pauvre s'accroche difficilement à l'étagère inférieure. Au même instant, la maîtresse de maison ouvre la porte de l'armoire et la tombe directement dans les mains. « Enfin Je pourrais dormir tranquille !» s'est dit les dredons. En passant, la belle crochetée, le vent sera frisqué ce soir. Les propriétaires auront assurément besoin de ma chaleur. Je serai beaucoup plus utile que toi. Tu es pleine de trous. Adieu, crie la nappe. Vous n'auriez pas la chance de savoir ce qui s'est passé à la réception. Moi, si. Je préfère de beaucoup envelopper mes maîtres dans mon confort, ou hâter et les réchauffer. C'est drôlement plus chic de se faire taper dessus par des plats et des ustensiles et d'écouter une conversation autour d'une table. Répond le prétentieux en éclatant de rire. Ha, <laughs> Sur ce, la maîtresse de maison dépose la nappe sur une chaise, prend monsieur Duvet et les tend soigneusement sur le lit, ou puis elle attrape un nappy. Et se dirige vers la salle à manger. On entend l'autre rire, ha ha ha. Mais il ne sait pas que le vieux grand-père a l'heure en visite en fin de semaine, et que ce soir, il dormira dans le lit des maîtres. Monsieur Duvet sera donc bombardé de ronflements et entendra quelques coups de canon nauséabonds. dans l'armoire, partie 2 Lundi matin, au bord du lac, Espiègle, sous la brise légère, n'appuie ses balances sur la corde à linge. Elle est d'une propreté impeccable. Le soleil chatouille toutes ses fibres, Les brègne des odeurs de l'air parfumé de la campagne. La propriétaire revient. Régulièrement vérifier son degré de séchage. La caresse doucement. Soudain, au bout du terrain, la nappe aperçoit le couvre-lit grincheux. Suspendu, elle est prête à lui pardonner son attitude désobligeante. Bonjour, monsieur Duval, lance-t-elle de sa voix cristalline. Il lente. À peine ses oreilles sont pleines d'eau. Quelqu'un m'appelle. Dit-il en s'étirant le cou. Oui, c'est moi, Napi. Il fait beau ce matin, n'est-ce pas? Même si l'air est un peu frais, surtout quand on est trempé, il ne branche pas. Elle reprend Vous avez passé une agréable fin de semaine, monsieur Duvet. Avez-vous enveloppé les maîtres entre vos plis doudus? C'est la question qu'il ne fallait pas poser il se fâche et répond d'un ton sec si au moins le grand-père n'avait pas apporté son verre de jus de camberge au lit eh oui un geste malhabile de l'homme et splash le couvre-lit a été souillé d'une grande flaque rouge sur mon beau satin bleu pâle la propriétaire a aussitôt immergé la tache dans un bassin d'eau froide puis elle a multiplié les tentatives de nettoyage, mais aucune n'a réussi. Il ne resté qu'à expérimenter la vieille machine à laver. Le couvre-lit a subi un supplice inimaginable. Lui, l'ignorable doyen de l'armoire a traité de la sorte. Quelle horreur à la laveuse à tordeur. Elle s'est mise à tourner à toute vitesse et soudain splash. Une force puissante me collait à la paroi de la cuve. Et splash. Je me suis retrouvée complètement tassée d'un côté. Je me défendais. L'appareil en a perdu l'équilibre. Alors, d'un soubresaut crac. J'ai cessé brusquement ce manège et là, Voyant soudain à qui il parle, il ajoute, je ne suis pas d'humeur à discuter, surtout pas avec une nappe de dentelle frivole. Il ne lui explique pas qu'ensuite il a été plié et poussé entre les cruels rouleaux du tordeur pour qu'on les sorte, Une vraie torture pour son tissu douillet, tout froissé et pour sa personne toute pétrie d'orgueil. Nabi comprend difficilement le drame vécu par son camarade. Elle a toujours été lavée à la main avec mille précautions. La dame revient, retire doucement les épingles à l'ange qui fixe la nappe sur la corde. Elle la plie sans le parfum d'air frais. Sourire aux lèvres, elle la dépose délicatement dans un panier de jonc. Le couvre-lit observe attentivement les gestes de la maîtresse de maison. Le cœur rempli de tristesse, il se rend compte que la petite reçoit beaucoup plus de tendresse que lui. Il pend de toute sa pesanteur en frissonnant silencieusement et jaloux. Napi se dit qu'il doit être malheureux pour se comporter ainsi. Tout à coup, elle remarque des épingles de bois qui commencent à céder sous le poids. De son compagnon d'infortune. Elle craint le pire et lui crie Attention! Mais vlum! Le vent taquin tourbillonne et rafale, et ça y est! Le malchanceux est projeté dans les airs. Il se retourne à plat ventre, encore mouillé dans le coin du potager. C'est la catastrophe! La propriétaire déprimée tient sa tête à deux mains. Son magnifique couvre-lit, comment pourra-t-elle le sauver cette fois? Ce brusque assaut sur une sol humide, jonché de feuilles mortes, l'a imprégné de nombreuses et vilaines tâches. Mais si tu découragé de se voir à imposer de nouveau le cauchemar du tordeur de la machine à laver, Pleure, se lamente et lance de toutes ses forces un cri venant du cœur. Je voudrais être une nappe de dentelle. Le mystère des billes d'or. Il était une fois très loin d'ici une planète habitée seulement par des robots. Il y en avait de toutes sortes. Certains avaient des jambes et d'autres avaient des roues. Certains avaient des pinces au bout de leurs bras, d'autres avaient des mains. Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs. Mécano était un grand robot bleu. Il s'est déplacé sur de belles roues dorées et pouvait jouer de la musique à partir de son ventre. Il travaillait à la bibliothèque des robots. Manivelle était un petit robot blanc. Elle avait de belles jambes avec des pieds roses. Elle pouvait changer de couleur quand elle le voulait, mais elle préférait surtout le blanc et le rose. Manivelle travaillait dans un hôpital pour robots de compagnie. Elle les réparait. Mécano aimait beaucoup Manivelle. Il allait souvent la voir à l'hôpital pour lui apporter des surprises comme de la salade de boulon ou de l'huile glacée au sirop de métal. Manivelle aussi aimait beaucoup Mécano il parlait toujours de tout et de rien, et faisait rire Manivelle il lui jouait aussi de la musique avec son ventre pour l'amuser. Un jour Mécano et Manivelle décidèrent de se construire une maison pour y vivre ensemble et commencer une famille. Ils travaillèrent très fort. Ils voulaient une grande maison pour avoir beaucoup d'enfants. Quand leur demeure fut bâtie, Mécano et Manivelle entreprirent la fabrication de leur premier enfant. Pour y arriver, Mécano et Manivelle devaient se serrer très fort dans leurs bras. Ensuite, Mécano devait ouvrir une petite porte dans son ventre, prendre une petite bille en or et la déposer dans le ventre de Manivelle. Mécano et Manivelle se serrèrent donc très fort. Mais lorsque Mécano voulut prendre une petite bille en or, il n'en trouva aucune. Manivelle et Mécano étaient pourtant certains d'avoir tout fait correctement. Ils décidèrent de réessayer. Mais une fois de plus, Mécano ne put trouver de petites billes en or. Manivelle et Mécano étaient très malheureux. Ils décidèrent d'aller voir un spécialiste de la fabrication d'enfants pour comprendre ce qui n'allait pas. Le lendemain matin, Manivelle et Mécano rencontrèrent le docteur Poupon. Il examina Manivelle puis Mécano. Quand il eut terminé, il s'assit dans son bureau et expliqua que Mécano avait été construit sans billes d'or. Mécano était très triste car il pensait qu'il ne pourrait pas construire d'enfants avec Manivelle et remplir la grande maison qu'ils avaient bâtie. Manivelle tentait de le consoler pour éviter que ses larmes ne le fassent rouiller. Le docteur expliqua alors à Mécano et à Manivelle que des robots avaient un surplus de billes en or et en donnaient quelques-unes à ceux qui n'en avaient pas comme Mécano. Si Mécano et Manivelle voulaient construire des enfants, le docteur Poupon pouvait leur donner des billes en or. Mécano et Manivelle étaient très contents. Le docteur leur donna donc des billes d'or que lui avait donné un robot jaune avec des chenilles pour avancer et des lumières sur son ventre. Le même, Mécano déposa une bille en or dans le ventre de Manivelle, et ils s'endormirent tranquillement, en rêvant à leur enfant à venir. Les semaines passèrent et le ventre de Manivelle devint de plus en plus gros. Un beau matin, alors qu'elle mangeait une tartine de confiture à l'acier, Manivelle sentit qu'on frappait à la porte de son ventre. Lorsque Mécano ouvrit la porte, un petit robot jaune, blanc et rouge, sauta en bas du ventre de Manivelle. Il pouvait changer la couleur de son ventre et avait des chenilles pour se déplacer. Lorsqu'il vit Mécano et Manivelle qui le regardaient, il cria "Papa, maman Et il roula jusque dans leurs bras. Depuis ce jour, Mécano et Manivelle ont fabriqué Trois autres enfants, leur maison est remplie de petits robots qui roulent et marchent partout. Manivelle et canots sont très heureux car ils ont eu la famille qu'ils voulaient grâce au robot jaune qui a donné des billes d'or au docteur Poupon. Moon Il y a de la lumière dans ma chambre, mais je n'y suis pas. Connaissez vous l'endroit que je préfère dès que la nuit approche sur la pointe des pieds? Ce soir encore je me peux l'automne au creux doux et tiède de ton bras. Ce soir encore Kalatimoune va m'emporter dans une nouvelle histoire de poche. La dernière fois on grimpa sur les épaules du vent lorsque soudain j'ai reçu de la poussière de lune dans les yeux. Je ne voyais plus rien et je me suis endormie. Moon porte toujours en bord un petit sac en pot de saumon. À l'intérieur, il y a quatre ou cinq bonbons, plusieurs bâtons, des courts et des longs, un bout de ficelle et deux pièces de vingt-cinq sous. Une nuit, on a escaladé un rocher près de Boréal pour regarder les grandes marionnettes qui boivent le lait des étoiles. Heureusement, Caladimoun savait bricoler. Sans son échelle, on n'aurait pas pu redescendre du rocher. Le rocher s'était percé. Chaque matin, après sa douche de rosée, Caladimoun se parfume à l'eau de fleurs d'oranger. Sa peau est belle et douce, moelleuse comme le pain au blé entier. Pour son petit déjeuner, il dévore des crêpes satinées de miel. Il prétend que le miel. Surtout le miel de trèfle le met en forme pour toute la journée. Mais Caladimoun n'est pas toujours un cœur de miel. Parfois le capitaine d'Ilmouk fait entrer des gros mots dans la bouche de Caladimoun, et je dois lui dire d'aller dans sa chambre ce n'est pas vraiment poli de dire espèce de. Après quelques minutes de réflexion, Kaladimoun trouve une astuce pour faire disparaître le capitaine d'Ilmouk et ses gros mots. Il chantonne Tik, shibi, la, ti, ouilala, petit, Et une pluie de confetti vient rincer les gros mots. Ils deviennent de plus en plus petits, minuscules. Ils rétrécissent tellement qu'on ne peut même plus les entendre. Enfin débarrassé de ce violon, Caladimoune me rejoint. Trois, deux, un, prêt à jouer avec des mots doux, drôles et dodus. Dans le salon, Caladimoune saute de pouf en pouf. Il attrape tous les coussins, se cache dans les paniers d'osier et s'envole. Survole. La mezzanine se dépose et se repose au pied du ficus Benjamin. À l'heure du souper, il est toujours dans la cuisine. Il ajoute du cumin dans le tagine. C'est de la poudre de perlimpinpin qui transforme les humains en lutin. Ce soir encore, je me pelotonne au creux doux et tiède de ton bras. Parce que la dernière fois, je m'étais endormie ce soir. J'ai décidé d'apporter ma lampe de poche. Aucun de Kaladimoun. Il jongle avec les cercles de lumière et me fait croire que ce sont des mandarines. Approche-toi, Kaladimoun. Prépare-toi. On est invité à la fête de la nuit. Les géants dansent, le baladi, les dragons crient et les guimauves, les sorcières scintillent dans leurs robes de soie saupoudrées de pépites. Même les brigands sont élégants. Le tonnerre, elle a aussi pour rythmer le concert des vipères déguisés en serpentin. Viens, Calatimoune, je cousu une couverture en coton d'or, bordée de coquillages multicolores et le pyjama assorti. Borde tes yeux, écoute le clapotis. Calatimoune s'enroule, se met en boule et se déroule sur l'écume de la nuit. Dans le bruissement des histoires à crête blanche, les s'endort et moi aussi. Les matins pressés. Ma famille, maman, Daphné, papa. Ce matin, pendant le petit déjeuner, Daphné s'excite et fait un énorme dégât. Partout, il y a des taches de lait au chocolat sur la table, sur sa robe et jusque sur son nez. Daphné gesticule, s'énerve et s'agite. Elle sait pourtant que le matin, il faut faire vite. C'est plus fort qu'elle. Elle ignore pourquoi, mais elle a envie de tout barbouiller de chocolat. Maman lui demande comment c'est arrivé. Elle monte le ton et commence à s'impatienter. Après tout, Daphné boit et mange tous les matins, et d'habitude, il n'y a pas de pépin. Daphné sent qu'au fond, quelque chose ne va pas. Elle est triste, mais ne parvient pas à dire pourquoi. Maman lui dit alors :« Ce n'est qu'un accident. Ces choses-là arrivent de temps en temps. » En fait, Daphné n'aime pas ces matins pressés où l'on doit se dépêcher car maman va travailler. Daphné est fâchée que maman veuille. S'en elle n'aime pas non plus se sentir bousculée. Heureusement, les doudous sont là pour nettoyer. Noga et Charlotte aident maman à ramasser. Pendant que Vanille aide la fillette à se débarbouiller, Daphné ouvre alors son cœur à son doudou adoré. Vanille, ma douce Vanille, bien-aimée, je voudrais être avec maman et ne jamais la quitter. Lorsqu'elle part, je me sens un peu abandonnée. Elle me manque car c'est long, toute une journée. L'avenir est bon, Vanille. Toi, ce qui te fait plaisir, c'est de jouer, bouger, t'amuser et rire. Tu aimes apprendre, explorer, découvrir et vivre plein de choses qui te font grandir. Ta maman aussi aime faire toutes sortes d'activités. Avant d'être maman, elle avait déjà un métier. Si, par exemple, elle voulait t'empêcher de jouer, tu serais la première à être contrariée. Ou que soit ta maman, tu es son ange adoré. Tu es toujours dans son cœur et ses pensées. Et sa plus grande joie, à la fin de la journée, c'est de rentrer à la maison pour te retrouver. La fillette est soulagée d'avoir confié son chagrin. Daphné, les doudous et maman se font un gros câlin. Maman aussi se sent le cœur plus léger. Les doudous savent si bien réconforter sa Daphné. Daphné, bec sucré La famille, maman, Daphné, papa Daphné et les doudous sont tous excités. Ensemble, ils préparent une collation sucrée. Noisette, nougat et clafoutis aident Daphné à cuisiner. Des galettes et des petits gâteaux qu'ils vont décorer. Les toto apportent les plats à la salle à manger. Ils mettent la table comme pour les grandes occasions. Sans oublier les petites cuillères ni les services à thé. Daphné veut que tout soit parfait pour sa collation. La fillette et ses amis changent même de vêtements. Pour un goûter amusant, il faut être élégant. Robe de princesse et couronne dorée pour Daphné, Habits chic pour les doudous qui aiment aussi se costumer. À table, Daphné mange avec gourmandise. Les doudous et elle, la goutte à toutes les friandises. Pas de parents pour dire c'est assez les sucreries. Personne pour lui faire peur avec les caries. Mais voilà que papa vient les déranger. Daphné, ça suffit. Il faut terminer ce goûter. Ce sera bientôt l'heure du souper. Maman nous a préparé un bon repas santé. Non merci, répond Daphné. Pas envie de souper. Pas question non plus que je quitte mes amis. Qu'est-ce que papa veut dire par repas santé Pourquoi manger autre chose que des biscuits Papa veut dire qu'il est important de manger de tout. Mais des souvenirs lui viennent tout à coup. Moi aussi, quand j'étais petit, j'aimais les gâteries. Et je trouvais difficile de quitter mes jeux et mes amis. Les doudous rappellent à Daphné qu'elle aime aussi les macaronis, les céleri, le brocoli, le poulet rôti. Il faut manger de tout pour être en santé. Et tu aimes profiter du souper pour raconter ta journée. Laissant père et fille dans la salle à manger, les deux doudous ont une bonne idée. Transformons ce que maman a cuisiné en surprise pour cette gourmande de Daphné. Viande, légumes et purées sont vite empilés. Intéressant, approuve maman, maman qui n'y avait pas pensé. Miam Écrit Daphné, c'est drôle, des gâteaux est appétissant. Et ce sont des aliments nourrissants, ajoute maman. Toute la famille est attablée dans la bonne humeur, on mange avec appétit. On parle et on rit de bon cœur. Daphné se dit, ce ça un repas santé, le plaisir de partager ensemble un délicieux souper. Bravo Daphné. Ma famille, maman, Daphné, papa. Aujourd'hui, Daphné choisit elle-même ses vêtements. Elle est fière de décider toute seule à porter. Elle se sent belle et espère recevoir des compliments. Superbe la félicite papa en la voyant parader. Daphné et ses amis rangent sa chambre à présent. La petite fille souhaite se faire encore complimenter. Mettre de l'ordre, c'est facile. C'est même amusant. Bravo s'écrit ses parents pour l'encourager. Ensuite, Daphné et les veulent dessiner. Faire de jolis dessins, ce n'est pas bien compliqué. Magnifique, dit maman en les admirant. Tu es une petite fille pleine de talent. Noisette propose un casse-tête comme une nouvelle activité. Daphné tient à les réussir toute seule, sans se faire aider. Elle place tous les morceaux sans trop de difficultés. Formidable, s'exclame papa qui a vite regardé. C'est très agréable de recevoir autant de compliments. La fillette veut continuer à impressionner ses parents. Daphné décide de tracer tout l'alphabet dans son cahier. Elle a beau s'efforcer. Ses lettres ressemblent à un nez. Daphné s'impatiente et se met à taper du pied. Que se passe t-il d'habitude? Elle a de la facilité. Pourquoi n'y arrive t-elle pas du premier coup? Elle arrache les pages et les déchire en petits bouts. Pour calmer Daphné, il lui changeait les idées. Clafouti fait le pitre et tente de la faire rigoler. Mais la fillette n'a pas du tout le cœur à rire. Elle se croyait capable de toujours tout réussir. Fanny et Moka essaient de la réconforter. Daphné il faut d'abord apprendre à s'exercer. C'est normal, au début d'avoir à recommencer. Tu peux aussi demander à tes parents de t'aider. Qu'y a-t-il? S'inquiète maman en arrivant. Daphné, un peu gênée, lui raconte ce qui s'est passé. Maman lui explique que c'est petit à petit qu'on apprend. Elle ajoute, si tu veux, j'aimerais bien te montrer. Les deux veulent aussi être les élèves de maman. Oui, s'écrit Moka, ensemble on apprend tout en s'amusant. C'est vrai. Qu'à plusieurs, on peut s'entraider, admet Daphné. La petite se sent prête à surmonter les difficultés. Maman trace de belles grandes lettres sur le papier. Daphné est tout attentif, attentive, s'applique. À limiter. Maman les encourage par de joyeux compliments. Et quand c'est excellent, elle en met un bel autocollant. Cléo au Vietnam. Cléo rêve de découvrir le Vietnam, son pays natal. Elle raconte à Colin sa tortue une légende vietnamienne. Une tortue géante aurait aidé un roi à sauver son pays. Colin, allant sur les traces de nos ancêtres, lance Cléo. Elle appuie sur le bouton de son appareil photo magique Flash. En un éclair, Cléo et Colin se retrouvent au Vietnam. Dans la cour, une table est mise pour le déjeuner. Au menu, une soupe aux nouilles, du riz. Clic-clic. De la soupe pour le déjeuner. C'est un créo. Une jeune fille lui tend un bol et des baguettes. Goûte dit-elle, souriante. C'est délicieux, s'exclame la voyageuse. Les enfants partent à l'école. Cléo reprend sa route. Sur le trottoir, il marche en devant des cantons. Clic-clic. Cléo en prend un et le flatte doucement. Piu, piu. Colin observe son année, il est jaloux. Ce n'est pas un jouet, hurle la marchande. Elle lui ordonne de le déposer dans son panier. Le pauvre, il finira par être rôti, pense Cléo triste. Les vélos scooter et au tout circulent dans le chaos. clic clic Cléo bondit au son d'une clochette. Un véhicule bizarre s'arrête devant eux. Le conducteur leur demande où il veut aller. Au lac de la tortue géante, lui répond Cléo. L'homme pédale, accélère et freine d'un coup. Cal est éjecté du véhicule. Cléo le rattrape vite par la patte. Elle demande au chauffeur de s'arrêter. Ouf, il continuera à pied. Soudain Cléo entend un cri aux arts martiaux. Kia. La fillette l'utilise souvent dans son cours de karaté. Elle se met aussitôt en position de défense. Fausse alerte, dit Colin en riant. <laughs> C'est une vieille dame qui a poussé ce cri. Elle coupe une noix de coco avec un énorme couteau. Clic, clique. La dame offre le fruit avec deux pailles à la ventirière. Drôle de verre, se dit Cléo en buvant l'eau de coco. Les deux amis poursuivent leur promenade dans la ville. D'un le long d'un mur se trouvent des fauteuils et des miroirs. Un coiffeur a installé son commerce en plein air. Clic, clic, il nettoie les oreilles d'un client avec une longue tige. J'ai rasé cinq mille barbes, nettoyé deux mille cinq cents paires d'oreilles et arraché trois mille deux cents poils de nez, dit-il à la curieuse. Pour toi Ma dixième cliente aujourd'hui, c'est gratuit. Burke Je passe mon tour, répond Cléo en faisant la grimace. Un panneau affiche la direction du lac de la tortue géante. Les amis entrent dans un parc tout vert. Comme c'est calme ici loin du bruit de la ville, une jeune fille lit sous un arbre. Clic-clic. Arrivée devant le fameux lac, Cléo s'assoit sur un pan. Elle se à la légende. Colin est fier de son ancêtre. Cléo a envie de voir une autre région du Vietnam. Elle prend son appareil photo et flash. Cléo et Colin se retrouvent sur une île dans la baie d'Alon. Un bateau transportant les enfants passe tout près. Clic-clic. Nos deux compagnons sont accueillis à bord. Le nom de cette baie signifie là où descendait le dragon. Jadis, un dragon géant aurait donné un coup de queue par terre. C'est ainsi que tous ces rochers sont apparus, raconte un garçon. Cléo a envie de visiter le Vietnam du Sud. Flash. Les voici. Dans une barque conduite par une jeune fille, Tillienne pose son chapeau sur la tête de Cléo. Notre chapeau fait de feuilles et de palmiers s'appelle. Le nom là, il nous protège de la pluie et du soleil, explique t-elle. Cléo est surprise de voir une maison flottée. Sur l'eau, clic clic. Cléo aperçoit deux têtes d'enfants au milieu du fleuve. N'écoutant que son courage, elle se jette à l'eau pour les sauver. Les petits ne sont pas en danger, ils s'amusent. Arrêtez vos singeries, je dois vous laver, crie leur mère. Comme il n'y a pas d'eau courante dans cette région, les gens se lavent dans le fleuve. Clic clic. Le dernier arrêt du voyage sera le plus important pour Cléo. La fillette veut visiter l'orphelinat où elle a vécu bébé. Flash! Sur les lieux, une dizaine d'enfants la reçoivent chaleureusement. Les orphelins questionnent Cléo sur ses parents adoptifs. Il a l'envie d'avoir une famille et une si jolie tortue. Cléo est triste de devoir les quitter. Adieu! Clic-clic! Flash! De retour dans sa chambre, elle entend sa mère l'appeler. Cléo! Et manger une bonne soupe aux nouilles. Les deux complices se regardent, amusés, surtout ne rien dire. Le nouveau bébé. Ma famille, Maman, Daphné, Papa. Aujourd'hui est un grand jour. Maman revient à la maison avec un nouveau bébé. Un vrai, de vrai petit frère pour Daphné. C'est comme si la fillette. L'attendait depuis toujours. Comme il est mignon avec son petit bout de nez, ses minuscules oreilles de poupée, ses joues qu'on a envie de caresser, ses mains aux mini doigts de fée. Mais à peine arrivé, bébé Léo se met à pleurer. Maman, inquiète, fait tout pour le consoler. Et papa le prend aussitôt dans ses bras. Même les doudous accourent pour voir ce qui ne va pas. Bébé Léo dort enfin dans son lit. Maman est fatiguée. Elle doit dormir aussi. Papa sourit en regardant son tout petit. On dirait que plus rien d'autre n'existe pour lui. Maman et papa ne s'occupent que du bébé. Toute la journée, Daphné est seule dans son coin. Elle se sent abandonnée, mais elle ne dit rien et préfère se retirer dans sa chambre pour bouder. La tête cachée sous son oreiller, Daphné pense. Personne ne m'aime, tout a changé. Mais non, murmure la voix de Nouka, nous les doudous, on est là. La vieille ouvre de grands yeux surpris. Elle voit Vanille et Clafouti et moka et Noisette et Charlotte et bien sûr Nouka. Tous les doudous l'ont suivi et l'entourent sur son lit. Daphne, dit Clafouti, tes parents sont là pour toi, même si elle est occupée. Ta maman pense à toi. Elle sait que c'est différent maintenant, mais elle t'aime encore tout autant. Et ton papa continue, Noisette. Que crois-tu qu'il fait? Il est en train de préparer ton repas préféré. Il veut te faire plaisir et te donner le temps de t'habiter. C'est un grand changement pour toi, ce nouveau bébé. Daphné réfléchit. Elle pense à Léo, si petit et seul dans son lit. Pour lui aussi, tout est nouveau, peut-être qu'il a peur, qui sait? Mais qu'est-ce que c'est? Vous me donnez une idée, les amis? La fillette se glisse tout doucement dans la chambre d'à côté. Regarde, bébé Léo, c'est pour toi. Un ami pour la vie qui s'appelle Patachou. Pour toujours, il sera ton doudou, juste à toi. Et moi, pour toujours, je serai ta grande sœur Chouchou.